Ça fait un peu mal à peau, quoi. Ça a l'air bien. Et autant. Je n'étais plus venu là depuis des années, mais il ne restait nulle part où aller. Ce n'était pas le trésor que je cherchais. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Et voilà ce qui se serait passé si j'avais actionné le levier de gauche. Mais comme je suis ici avec toi, tu sais déjà que je ne me suis pas trompé. Des seaux, des tonneaux, des barattes et des lits occupaient les moindres recoins. C'était si familier.
Le lit était très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. Attends, attends. Une petite minute, grand-père. Je me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites ? On y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je ? Ah, oui. Tandis que je me frayais un passage dans le lit de la rivière de Lys, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant. Sous un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait... Le miroir légendaire. Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire? Ben, les dragons... Allô? Il y a quelqu'un? Oui. Salut, Kennec. Le roi Edouard m'a envoyé. Zouan is back. Le plus grand chevalier de Dalek. Comment ça va, mon plé? Pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle avant... Avant... Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. Alors ici, il y a un truc. On va aller voir ce que c'est déjà. J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée. La tête dans le cul, le cul dans la tête, je sais pas trop encore. Ah merde. Ça y est, t'as chopé la maladie. Donc t'es juste claqué par trop de boulot. Mince, qu'est-ce que je fais? J'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenu. Un casse-tête saugrenu. C'est pour moi, ça. Si on ne peut pas y aller... Comme je le disais, je n'avais pas le temps pour la sieste. Des vieux livres au titre intrigant sont rangés sur les étagères de cette étrange chambre. Comment dompter un dragon, briser l'esprit d'une bête hideuse, impressionner vos amis avec la magie. Mais rien sur les poignées manquantes. Non, je suis juste claqué. Okay. Et la poignée manquante était piégée? Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, j'ai utilisé mon cerveau pour déjouer le piège. Viens te reposer avec une jolie histoire. J'ai utilisé ma cervelle pour trouver une cachette. Oh,
Par chance, cette bête à demi-aveugle ne m'a pas vu. Ça doit être dur de toucher un œil de dragon avec une flèche. Déjà que j'ai du mal à toucher une botte de foin. En effet, cela demande du talent. Ça tombe bien, j'en ai à revendre. Ah, mais j'essayais d'utiliser cette machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête en récupérant le truc. Ok. Ah oui, on est déjà très bien parti pour le casse-tête saugrenier. Aux titres intrigants sont rangés sur les étagères. Tu vas pas me dire que je vais être déjà bloqué. Chambres. Comment dompter un dragon, briser l'esprit d'une bête hideuse, impressionner vos amis avec la magie. Je vais quand même pas me recoucher. Hein. D'accord, je me suis un peu reposé. Sieste au boulot. Avant de oula. Partir à la recherche de ce trésor très important. D'accord. Faut que je bidouille la connexion Wi-Fi du boulot car là ça frise. Bon, déjà là, ce casse-tête là, a priori, je suis déjà niqué. Ah, mais je peux même pas me barrer en fait. Donc il y a bien un truc à faire ici. Ah, mais faut que je prenne dans mon sac à dos, je suis naze. C'est vrai que j'ai pas encore regardé dans le sac à dos. Je suis pas malin. Parce que je suis pas du matin. Alors. Poignée en bois. Bah d'accord, bah voilà. Suis-je bête. La poignée en bois, faut la mettre là-bas. On y arrive. A priori, ce matin, j'ai la tête dans le cul à Kalec. Alors... Avec quoi t'as réparé le levier cassé ? Mais avec ça, ma grande. Eh ben, c'était que la première énigme. On n'aime pas le cul sorti des ronces. Les chaînes du dragon tenaient un gigantesque levier accroché au mur de la grotte. Cette grotte fut le théâtre d'innombrables ratages. Après avoir pris un peu le soleil, le dragon narcoleptique recommença à ronfler. Je dormirais aussi tout le temps si mon seul ami était un miroir. Sur les côtés. Alors, je demande un instant, il faut que je réponde à un message.
Voilà, pardon. Yes, oui, à vous. D'accord. Si je regarde pas. Hop. Si jamais. Clac. Alors, là, il y avait là, là. Technique ninja. Ceux qui avaient conçu ce piège se croyaient très malins, mais j'avais bien l'intention d'accéder rapidement à ce levier. Classe ou pas? Calme. Toujours cette manie d'aller chercher à droite et à gauche, faire fouiller, voir s'il n'y a pas un collectif. Le miroir m'appelle. Je sais même pas s'il y en a. C'était un absurde mécanisme d'alimentation permettant à la bête et à son propriétaire de survivre. D'accord. Merde.
Je pense que je vais avoir une connexion en mousse, donc désolé par avance, je vais un peu rater des trucs que tu me dis. C'est pas grave, t'inquiète. Ah merde, c'était sur celui-là qu'il fallait que j'aille, je suis con. Bon, on va refaire un tour. Je sais plus sur lequel je suis descendu tout à l'heure, si c'était sur celui-là ou sur l'autre. Ouais, c'était sur celui-là. Ok. Donc c'est sur l'autre. Non, c'est sur celui-là. Je suis con. Oh là là. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Prochain tour. Priori non. Et ben celui-là. Donc il faut qu'on lui foute une viande là-bas. C'était un absurde mécanisme d'alimentation permettant à la bête et à son propriétaire de survivre. Donc non. Excellent, comment il court. Hein? Hein? Yes. Oh, mais je suis trop doué à ça, moi. C'est... J'ai pas compris. Grand-père!
Un petit four de dragon. Alors, c'était quoi le schmilblick hein, pour le coup? Pourquoi il se passe rien? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que c'est? Il faut marteler rond? Ouais. D'accord. Ah, carré. N'est pas arrivé, hein, je vous le dis. Bien le bonjour, monsieur Moumout. Carré bordel, ça commence. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est où ce con? Jean-Jean, reviens! Je parie que tu t'en es sorti qu'avec... Oh mon dieu! Bonjour Google! Ça commence! Comment c'est bien dit, un calec. Avec le miroir magique en ma possession, je rêvais de Daventry et du royaume que la ville deviendrait sous ma férule. Say my name. Cet instant précis, trois choix s'offraient à moi. Tous me mettraient en sûreté, tous auraient des conséquences considérables. Allez, la cloche. Non, ça y est, ça commence. Mes mains tremblaient et j'arrivais à peine à tenir la corde. Mais avec ce qu'il me restait de force, c'est beau.
je me hissais hors du puits et retournais au château. Depuis qu'il a été récupéré, le miroir magique nous a prévenus de bien des dangers. Il a protégé notre famille et il m'a aidé à retirer un nombre incalculable de miettes de ma barbe. Oui, 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 le roi Édouard était si fier de devoir apporter son trésor perdu qu'il t'a fait roi. Tout le monde connaît l'histoire. Maintenant, on peut revenir à ce dragon. Gwendoline, il y a des choses bien plus importantes que les dragons. J'espère qu'on se souviendra de ce chapeau pour tout ce qu'il a permis d'accomplir. Sous ses coutures se cachent de nombreuses aventures. Bien, revenons-en à ce dragon. Dis-moi tout. Comment tu savais que sonner la cloche allait le distraire ? Au fil des années, j'ai réalisé que le dragon n'était pas la bête hideuse et terrifiante. Le problème des photos, c'est quand ils sont en mode. Il était juste prisonnier et affamé. Ah, mais clairement, moi à aussi, partir de je deux. Je serais furieux si je ne pouvais manger que quand mon maître négligent sonne une cloche. Je sais, j'étais sournois, mais je n'allais quand même pas lâcher un dragon sur la ville ou lui faire. Ah, mais j'ai envie de dire la crème de la crème, quoi. Vous êtes la. J'aurais fait tout pareil. À la maison, on m'appelle Gwendoline la petite futée. Tu viens d'une longue lignée de brillants logiciens et d'un stomatologue avisé. Très bien, vous deux. Grand-père doit se reposer. Gwendoline, tu devrais être couchée. Le papy doit prendre ses cachets. Bonne nuit, grand-père. Je reviendrai demain matin. Je ne suis pas fatigué. Je suis resté fringant, mais je voudrais bien un quartier de fruits magiques. Bon, Moumount, qu'est-ce qui se passe? T'es pas encore au téléphone? Va falloir t'y mettre, poulet, hein? Bonjour cousine. Yeah, je suis heureux que tu sois Yo, enfin cousine. Ici. Il te demande depuis des jours. J'ai dû entendre la même histoire 5 fois. On est venu aussi vite que possible. Si ça continue et comme ça, je vais bientôt bosser chez Paul. Surtout s'il y a des dragons. Ah oui. Fini la tête. La bête légendaire qui a trompé avec sa propre cloche de souper. Je ne sais pas s'il a oublié que je connais cette histoire ou s'il s'en moque, mais il ne perd jamais une occasion de la raconter. Je crois bien que les infirmières faisaient les mêmes blagues dans le couloir. Et est-ce que tu as vu les docteurs ? Oui, les docteurs, les mages, les elfes magiciens. Grand-père va bien, Gwendoline. Cinquième mot que j'ai mis en arrivant, Viagra, les vieux, c'est tout. Il lui reste encore c'est quelques années. C'est pas moi. Écoute, on est très content que ta famille ait fait le voyage. Mais pas de soucis à avoir. Sinon, bonjour, tu devrais te reposer. Je t'assure que tu auras tout le temps d'écouter grand-père radoter demain. Oh, moi aussi j'ai un tournoi demain. Ouais, c'est quand même triste, c'est deux bons matins déjà, il y a besoin tu de Viagra. Je dis ça, je dis rien. Je suis favori, bien sûr, et je me débrouillerai pour que tu aies un bon siège afin d'assister à ma victoire. Il y aura tout le gratin et de délicieux hors-d'œuvre. Oh, en fait, en même temps, moi, mes CGU, elles sont restées larges, hein, donc ça passe. Je ne savais pas qu'il y avait des épreuves pour enfants. Incroyable. Dans ce cas, je viendrai avec plaisir. Mais là, on n'en est même plus à parler de trucs supersoniques. On est véritablement sur du priapisme. C'est pas un tournoi pour enfants. Je vais me battre contre toi. Je vois. Bon, il est peut-être temps que tu arrêtes d'écouter les histoires pour les vivre par toi-même. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. Ça dépend de ce que tu fais de ta nuit. C'est pas faux. Oui, bonjour quand même, voilà. Entre Gwendoline,
Tu peux les poser sur la table de nuit. Grand-mère dit qu'il faut prendre 3 cuillères de chaque. Je vais les prendre, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais parlons de choses sérieuses. Comme ce tournoi d'escrime, il paraît que tu y participes. Ben, je me suis inscrite, mais je suis plus trop sûre maintenant. Maliverne, rassure-toi, surtout si c'est Garth qui t'inquiète, je vais te dire. Bonjour, Jean qui arrive. De ton inscription toute la matinée. Il se sent menacé, à mon avis. Il y a Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous installer confortablement. J'ai toujours apprécié... Il y a du café chaud. Par contre, vu le temps, enlevez vos godasses. Hein. La précision via l'entraînement et d'habiles manœuvres. Entraîne-toi et suis ton instinct. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Une que tu n'as jamais entendue. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, avant d'être chevalier, avant même que j'arrive à Daventry ou que je rencontre un dragon, l'histoire d'un tournoi qui a changé ma vie. C'est une longue histoire, mais je vais faire court. Oh, mais eh bien, donc, triomphe, il suffit de dire bonjour aux gens, ils partent tous. Monter le camp. Reposons-nous, nous avons une grosse journée demain. Hop là, trop beau mon destrier quand même. Trop la classe. Oh, ça va, je me débrouille assez bien. Voilà, dit-il en se prenant un rocher dans la face. En même temps, tu les vois pas trop arriver. Hein. C'est beau. Voilà, c'est un petit peu ma vie, ça. Tous les matins, le réveil, c'est qu'il voit ça. Après être gracieusement descendu de la falaise, je découvris une vraie route, le premier signe de la civilisation. Daventry était un peu plus loin à l'est. J'avais tout lu sur ces merveilles ouais, c'est dans l'équipe de voyage. Tellement, j'étais impatient de découvrir cet univers, ce chara-design, cette direction artistique, c'est juste excellent. Alors pardon, je réécoute le truc. Daventry était un peu plus loin à l'est. J'avais tout lu sur ces merveilles dans mes guides de voyage. J'étais impatient de découvrir sa célèbre île flottante. L'île flottante. Bon, allez. À partir par là. Je vais attendre qu'ils avancent dans la sortie des épisodes pour me l'acheter celui-là. Alors je pense que ça va être une très très belle histoire, une belle épopée. J'adore l'humour qu'il y a. Ça rappelle les Dragon Slayer de l'époque, les Taram et le Chaudron Magique. Ouais, une petite partie de mon enfance, tout ça. Quoi. J'étais sûr que la parade des apprentis chevaliers était prévue pour le lendemain. J'aurais dû être avec eux, marchant avec triomphe. Mais visiblement, mon arrivée à Daventry commençait mal. Alors, comment les as-tu rattrapés ? C'est quoi que j'ai ? Un seul argent dont je dispose, d'accord. Attention, a priori, répète par ici. D'accord. Il manquait une sorte d'embouchure à cette corne bizarre. Il manque une embouchure. Où pourrais-je trouver des embouchures ? Ce petit chemin qui sent la noisette. Ce que j'aimais bien... C'est un nouveau... Ah oui, carrément, Monkey Island, ce serait excellent.
Mais moi, hein, je croise toujours les doigts pour qu'à un moment donné, ils nous refassent, par exemple, un Full Throttle sur PS4, un Day of the Tentacle. Mais j'étais tellement fan, c'était, enfin, quelque part, mes vraies premières histoires jouées sur ordi quand j'étais minot, quoi. D'étranges traces dessinaient une piste dans la forêt. Oh, mais comment je vais me perdre dans ce jeu, quoi. Ce qui serait bien, ce serait de streamer la série des Monkey Island, ah, carrément. Mais c'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire, mais peut-être au niveau de la chaîne Geeking, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. C'est bon. Une grenouille. Hein. Ah, on peut traverser là, excellent. Y a rien d'autre en bas? Lapin. Alors je sais qu'on peut aller donc de ce côté. Là, a priori on peut pas. Et là on peut pas non plus. Donc c'est bien ce chemin là-bas. T'as le remix HD. Waouh. Bon ben voilà. Tu sais quoi faire, Kanak, hein? Il faut que tu le streames. Histoire que je me sente encore plus vieux. On est tous dans la même situation, poulet. Là, il y a une grenouille. Et hop. Ah ouais, faut diriger avec le pied en fait. Ok. Donc on va revenir sur celui-là. Hop. Hop. Cette roue était fraîchement cassée. Oh, une roue fraîchement cassée. Bon, de toute façon, je ne peux point. Pas passer là sur le coup. Voilà, ça frise un peu là. Y'a rien, chemin là. Tout droit, de toute façon, on ne peut pas de toute façon. Un camelot. C'est juste un gamin. Je ne sais pas d'où il vient, mais c'est sûrement imprononçable. Tu sais, il ne faut pas surprendre quelqu'un dans des endroits dangereux comme... Bon! Oh, qu'est-ce qu'il a ton pied? Tu as dû marcher sur un épineux spinifiéreux? Pas de souci, j'ai ce qu'il faut pour ça. Dis-moi, c'est plutôt oui ou waouh! De toute façon, le marchand de miracles... Faut que je jette un œil à mon câblage France Télécom avant. Normalement, je devrais avoir 2 mégas en upload, mais ce serait suffisant pour faire du stream de petits jeux PC. Ouais, et ça passe. Le plus délicieux. Ah, voilà! Je me fais un massage avec 2 fois par jour. Regarde le résultat. Alors, Info Netflix, l'intégralité de la série Friends arrive à la mi-octobre. Voilà. Un matériau si exquis. Petite breaking news de l'instant. Je savais que tu n'étais Elle est pas encore ici. toute chaude. Mieux d'y aller. Un chevalier en retard, Mais là, je n'ai su qu'à un média, ce qui est un poil limite. Ouais, si tu veux diffuser en bonne qualité. Hein. Sinon, je pense qu'en médium, ça peut passer quand même. Moi, c'est ici sans roue, sans boîte à outils, C'est avec Monsieur dommage. Choucrème. Je parie qu'un jeune homme comme toi doit pouvoir m'aider à réparer cette roue. Si tu m'aides avec mon chariot, je t'emmène au tournoi. J'espère que personne ne notera ton manque de ponctualité. Oh, quelle grossièreté! Tu as des questions pour moi? Vous pouvez répéter? Essaie de suivre, petit! Pas de pont, pas de raccourci, des rochers volants! Sois gentil, trouve des outils, répare le chariot et je te conduis au tournoi! Bon, il va falloir trouver des outils pour le monsieur en plus. Ici, un peu d'huile de coude là. Elles sont belles, vos chèvres. Pas tous à mes majestueuses licornes.
avait peut-être une roue de l'autre côté de la rivière, mais je ne savais pas nager. Comment t'as traversé la rivière ? Et où qu'il est mon arc ? Comment je le sors ? Je suis solide comme un roc, ou pas ? Il y avait peut-être une roue de l'autre côté de la rivière, mais je ne savais pas nager. Comment t'as traversé la rivière ? Non, c'est pas en jetant des pièces dedans, mais qu'est-ce que j'en ai fait de ce con d'arc ? Bon. Si on déplace ça vers la gauche, là un peu plus. Ah, tout à fait. Mon premier ordinateur à moi. Alors voyons ça, ça ressemblait à quoi ? Alice, putain. Moi le premier c'était un Amstrad CPC 6128. Et sinon, j'ai commencé avec la première console Thomson, avec les potentiomètres pour faire bouger les barres de Pong. C'était la grande classe. Alors, je sais plus si c'était l'Amstrad CPC 6128 ou l'Amiga 520 ST, pour le coup. Bon, je vais aller faire fouiller par là-bas, de toute façon j'ai que ça à faire. Mais... Après, à la maison, on les a tous eu. Mon père se geek. Ce jeu donne envie, mais j'attendrai que tous les épisodes soient sortis. Je déteste ces jeux coupés, il faut attendre des dates quasi inconnues. Je peux comprendre. Après le prochain, il sort d'ici 3 semaines. Là. Enfin, il était prévu pour cet automne, donc en espérant que ce soit pas novembre. Mais il y avait eu une information comme quoi il arrivait là sous peu. Bon, on va essayer de parcourir la lande. Hein. Idem, Amstrad CPC 6128, mais il appartenait à mon père. Ah, c'était la classe, quoi. Quand tu racontes à la nouvelle génération qu'avant tu jouais sur des jeux sur cassette... Déjà que t'as enregistré les morceaux de musique en appuyant sur play et record en même temps sur un magnéto, quoi. C'est juste de la science-fiction pour eux. C'est sur Alice que j'ai appris à coder, classe. Ah oui, mais si on peut monter par là. Grand-père, tu peux pas abandonner Triomphe. Ne t'inquiète pas, Triomphe sait se débrouiller. Nous avons eu notre part de situations difficiles et elle a toujours été là quand j'ai eu besoin d'elle. J'ai eu un 8086, un 8286 et toute la série. C'était deux OKS que je récupérais. C'est ouf. Après être gracieusement descendu, je n'allais certainement pas faire marche arrière. Ouais, bon, ok. Donc il y avait qu'un truc à faire en bas. Donc encore une fois, je suis passé à côté. Alors. Et alors, il n'y a pas de truc pour aller à droite, à gauche. J'ai eu le 286 quand le 386 sortait, etc. Ah ben oui. Le pire, c'est le prochain Hitman et leur expérience, le terme marketing pour cacher épisode. Pff, je suis déçu car j'aime bien Hitman. Moi, j'ai jamais trop accroché, mais vraiment pas. Mais comment il veut que je trouve des instruments, moi ?
corne était cassée, mais ça ne m'a pas empêché de souffler dedans. Ouais. Je suis un ouf malade. Bon, on va essayer de trouver un autre chemin. Si tant est qu'il y en a. Si jamais vous voyez quelque chose, n'hésitez pas. Hein? Ce serait dommage. Petit lapin. Hitman, a priori, sur le prochain film, en tout cas, il semble qu'il n'y ait déjà pas de très bonnes critiques. On va bien vérifier que là, je n'ai point loupé quoi que ce fût. Je me demandais ce que ces oiseaux pouvaient vouloir faire avec des outils. C'est vrai. Ballot. Mais tiens. Mais quelle naze. Pas possible. Malheureusement, le seul outil qui restait était une petite hachette. Mmh. Et non, Gwendoline. Avant que tu me poses des milliers de questions à son propos... Je n'ai pas essayé de l'utiliser sur tout ce que je voyais. Mais j'en ai fait... Si, j'avais joué au tout premier. Au tout premier Hitman. Et j'avais pas accroché. Ce qui m'a jamais, donc, du coup, donné envie de continuer, du coup, la dite expérience. Mais là aussi, tu vois, je vais pas pouvoir réellement juger, j'en ai vu aucun. Je m'excuse, je vous laisse que 10 secondes, j'ai besoin de vidanger. Je reviens. Tout le monde. Alors. J'ai adoré Hitman 2 sur PS2 après un gameplay m'a dérangé et pendant il y a des niveaux excellents, comme celui du domaine viticole. Je te crois sur parole. Viens ici, l'arbre. Mode bûcheron de l'extrême. Cette roue disparue, c'était comme une souche. Il fallait au moins une branche pour éviter de prendre racine. Grand-père. Tes blagues ne sont jamais vraiment drôles. Quoi? Tu trouves que je pousse le bûcheron trop loin? Tu vas aimer les blagues. Elles sont vraiment nulles. Ou des yeux. Des yeux de chouette, ou de loup.
ou de vile créature. Oh, ça a bougé. Un coup de machette. Eh, hey, petit chat. Pas un chat. Pas un chat. Ah merde, c'est pas un chat. Pas de roue ici. Oui, il pousse le bûcheron trop loin. Le dernier film, Hitman, où il y a l'acteur qui m'intéresse. Car il est excellent dans la série Homeland. Eh ben, je vais en décevoir plus d'un. Je n'ai pas vu la série Homeland. Je ne l'ai pas commencé. Moi, je la regarderai sur Netflix. Hey, petit chat, il va falloir que je le fasse à un moment donné. Non. Bon. Il n'y a pas un trophée style qu'on a tenté plusieurs fois, comme pour le lit. Toujours pas de roue. Ben non, toujours pas. Il y a des népines, dites-moi. Un enchevêtrement de ronciers obstruait l'accès au puits. Le puits avec le gigantesque dragon ? Peut-être. Homeland, les deux, trois premières saisons sont bien. Après, ça ne se renouvelle plus. J'ai commencé, mais j'ai lâché après la deuxième saison. Ah. Un enchevêtrement de ronciers obstruait l'accès au puits. Le puits avec le gigantesque dragon ? Peut-être. J'ai pas terminé la 4. Ça bouge pas là ? Et alors, t'as abattu la porte, t'as trouvé la roue et t'es allé au tournoi. Non, Gwendoline. Ce n'est pas parce que j'avais une hachette que j'allais tout découper. Tu te trompes d'histoire. Mais je pense parce qu'elle a dû apporter la surprise. Mais après, du coup, c'est ça. Le plus compliqué, c'est d'arriver à se renouveler après. La place était c'était un peu aussi le cas pour Prison Break au début, vachement bien, ça tenait vachement bien la route au fur et à mesure, mais ça a été juste une catastrophe. Alors où qu'on met là ? On peut aller ici ? Non, on peut pas aller là, on peut pas aller là non plus. On va laisser ouvert, on sait jamais. Pire, je vais me faire engueuler. Il va se passer un truc horrible. On peut frapper là aux portes ? Bonjour, une boulangerie ! Ça sent bon. Le panneau invitait à laisser un pourboire, et il y avait un plateau pour laisser des pièces. Non, mais clairement. Tout ça m'avait l'air délicieux, mais je ne pouvais pas participer au tournoi le ventre plein. Bah écoute, mon but, bah du coup j'attends la suite là, de la saison quand même, hein, j'ai tout vu.
Voilà, je trouve que c'est tellement une série où les saisons et même les épisodes se suivent de façon totalement inégale au niveau, je trouve, de la qualité scénaristique du truc, que voilà, y a vraiment des épisodes qui sont bien et d'autres, mais au bout, enfin moi personnellement, je me suis fait royalement chier, quoi. Ah, j'étais certain que ce parasite ferait une roue superbe. Pas sympa, j'arrive carrément, hop, je pique un truc, quoi. La saison du moment, c'est When More Pines sur Canal+ ce soir. Je connais pas. C'est pas avec l'acteur qui jouait dans Demain à la Une? C'est pas cette série-là? Non, c'est pas ça? Je te dirai encore une connerie, hein. On va voir qui y a là-haut. Je suis tombé sur un magasin de babioles. Non? Ok. Là, je confonds avec une série que j'ai dû voir ou un truc sur Parmi les bibelots, il y avait un plateau dans lequel on pouvait laisser les pourboires. Ah, mais attends, au fait. J'ai décidé de laisser de l'argent, sans raison. Je vais faire la même chose chez le boulanger. Je sais pas si ça fera quelque chose. Pas besoin d'emprunter plus d'une roue. Ouais, d'accord, c'est ça en fait le truc. Je peux pas reprendre mon tips? Il valait mieux que j'évite de tout dépenser dès mon premier jour en ville. Voilà, d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est ça, on va prendre la roue au boulanger, mais on va lui laisser de l'argent pour le pain qu'on a pris, parce qu'on est des gens bien. Enfin, on est un gens bien. Faut voir comment ça tourne. Pour l'instant, j'accroche. Mais sur un fil. Monsieur Robot, qui regarde, histoire d'avoir un avis. Non, j'ai pas encore vu. Après, je trouve que dans le synopsis du truc, ça ressemble un peu à un Dexter, mais mode hacker, quoi. C'est le mec qui travaille Je décidais de laisser quelques à pièces pour l'endroit le en pain. fait où il est le plus en danger, quoi. Donc l'autre, c'était aussi une roue. Pas mal, mais le mind blow est déjà vu. Ok. Donc on a été là-bas. Parce que là, il y a une porte. C'est une porte, ça? Il n'y a pas de porte. Donc là, j'ai une roue déjà. Ok. Ici, est-ce que je peux faire le tour? Là, y a rien à prendre. J'aimerais avoir des marshmallows. On dirait une espèce de forge. Le panneau invitait à laisser un pourboire et il y avait un plateau pour laisser des pièces. Ouais, mais avant de laisser une pièce, je vais voir si je peux piquer quelque chose. Ah oui, mais attends, mais la roue la plus solide, c'est celle-là en fait. C'est con. Voilà, non. Je vais revenir, on va faire ça bien. On peut le remettre le pain, j'espère? Ça serait tellement bien qu'on puisse. Oui. Ah oui, pardon. C'est jeter l'argent par les fenêtres. Mais non. Je reposais le pain et je me mis en quête d'une autre roue.
je repris mon argent. C'est dégueulasse. En fait, concrètement, on peut dire qu'une discussion téléphonique avec sa mère est un mind blow. Enfin, en tout cas avec la mienne. Gros et rond. Ça devrait le faire. Ok, Kalec. Donne-moi la traduction de... Je décidais de laisser quelques pièces pour le bouclier. Bon, on va aller voir ce qui se trame ici. Voilà. Bonjour, je peux me joindre à vous ? Non, nous gardons l'entrée de la ville afin d'empêcher qu'il y ait des ennuis pendant que tout le monde est à la parade. Si nous partions... C'est pour vous rappeler que j'existe. Recule, l'ami. Nous recherchons des intrus. Arrête d'être inutile et aide-nous à chercher les voleurs. Place. Bon, d'accord. Allez, on va aller voir l'autre avec sa roue. Comme moi, cette jeune pousse venait d'arriver en ville. Elle devait grandir. Je te spoil pas, promis. Je déteste le spoil. J'en sais trop. Je n'ai rien à dire. Ça viendra, tu verras. Fermer la porte. Je me ferme. Si jamais comme ça, il leur arrivera rien. Ok. Oh, un raccourci. Un raccourci raccourcissant, vous croyez ? Vraiment ? Petit chat, un chat, un chat. Bref, fini de parler de Wayward. Oui, il est déjà sorti et vu les gestionnaires, je pense que c'est dans le même lot. Encore un truc qui me chiffonne. Vraiment que j'écoute à nouveau la partie où tu as mis une éternité à avancer le long de ce tronc d'arbre, hein? Non, sans doute pas. Un effort ici, un peu d'huile de coude là, et trouve-moi une roue, petit. N'importe quoi de gros et de rond. Et... Je pensais que ça pourrait faire l'affaire. Un bouclier, hein? Waouh! Il correspond parfaitement aux couleurs délicatement choisies pour toute cette opération. C'est vraiment audacieux, comme mon pantalon. C'est parfait, j'espère que tu n'as pas payé trop cher. Oh! Attends! Avant que j'oublie, j'ai réussi à me procurer un billet pour le tournoi. Comme tu m'as gracieusement trouvé une roue, je suis prêt à te le vendre à un prix très intéressant. Qu'en dis-tu? Un prix très intéressant. Qu'est-ce que je fais? Je le paye, je paye pas. Est-ce que quelqu'un a suivi au moins? Bande de pleutres. Hein? J'y réponds quoi, moi, au monsieur au chapeau bleu, là? Parce que ma foi, il fait bien escroc, hein. Mais après, je me dis, si je le prends pas ce ticket pour le tournoi, qu'est-ce qui se passe? Carré bordel. Parfait, j'aime les bonnes affaires. Moi aussi, mon garçon, moi aussi. Si j'en vois une, je te le dirai. Voilà pour toi.
Bien, quittons cette prairie maintenant, Monsieur Choucrème. Il est temps de partir. Oh. Monsieur Choucrème, oh, halte, stop! Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le confort de votre cabine. Rassemblez vos affaires et attention à votre tête en sortant. Merci pour l'hospitalité. Ce n'est pas le moment de te reposer. Tu as de la chance, la parade est arrêtée. Encore un pont qui a disparu, j'imagine. Attention, tu marches. Évite de mouiller cette cape. Bon voyage, l'ami! Ne nous oubliez pas quand vos poches seront remplies de richesses. La forêt est bloquée jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. La forêt est bloquée jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Du vent. Bonjour. Désolé, je suis en retard. Je dois être sur la liste. Graham, nom de famille. La liste est malheureusement à l'intérieur de l'arène, de l'autre côté du pont qui a inexplicablement disparu. Nous avons demandé une réparation temporaire, mais nous n'avons pas encore le bon de commande. Et avec les contraintes budgétaires, ces réparations, ce n'est pas gagné. Mais ces chevaliers ne peuvent pas consulter la liste? Qui, Kyle et Larry? Ils ne sont pas en service. Inutile. Ne vous inquiétez pas. Ces apprentis chevaliers trouveront bientôt une solution et nous pourrons continuer les auditions. Mais je suis un apprenti chevalier. Si vous pouviez vous déplacer de côté, je suis sûr de pouvoir passer. Le décret 6645 de Daventry dispose qu'un garde royal en service ne doit jamais, en aucune circonstance, quitter son poste. Eh bien, techniquement, l'addendum 237A nous y autorise si quelqu'un est en danger et a besoin d'aide, de façon capitale. Autant pour moi, mieux vaut éviter de répéter le fiasco de Rubenstern. Mais un retardataire, ce n'est pas un danger capital. Désolé, mais nous ne pouvons quitter notre poste. Ordre du roi. Pourrais-je prouver ma valeur avec un billet d'entrée? Désolé, mais la vérification des billets se fera à l'intérieur de l'arène. Ouais. Il y a quelque chose par là. Bon. À moi les abeilles. Je crois que j'ai fait une connerie, non? N'approche pas de ces rochers, c'est dangereux. Mais il n'y en a pas d'autres. C'est embêtant. Danger! Abandonnez le poste! Il faut apprendre à nager, mon garçon. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Il me parlait à moi. Je crois qu'il me parlait à moi. Non, à moi. Ça ne serait pas la première fois que je te corrige. Que quelqu'un puisse me confondre avec toi, ça me si... Oh, les salauds. Ah, faut que je prenne les abeilles. Voilà, bon, on va recommencer. Hop. N'approche pas de ces rochers. C'est dangereux. Danger! Abandonnez le poste!
Il faut apprendre à nager, mon garçon. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Il me parlait à moi. Je crois qu'il me parlait à moi. J'en ai plus qu'assez de cette dispute. Il n'y a pas de dispute. Je suis... Hein? Oh oh. Oh oh. Pas bon. Des abeilles! Des abeilles! Des abeilles! Je peux rejoindre votre demi-cercle? Laisse les grands s'en occuper. Chut! Votre héros réfléchit. Encore une corne, encore une pièce manquante. Eh bien, je connais la réponse. Mais je veux voir comment vous autres vous allez faire. Par ici, l'ami. Pardon ? OK. OK. Mais tiens. L'arbre était trop lourd. Il faudrait que je le découpe. Je laissais la hache plantée dans l'arbre, car je n'en avais plus besoin. Tu crois ? Plutôt, oui. Tout le monde me parle de cette hache. Ça devient agaçant. Oh. Ouais, Yvonne, on s'est compris. Oh, mais quelle naze. Danger! Danger! Oh, des abeilles!
qu'est-ce qu'il veut dire? Ok. Attends une seconde. Graham, c'est ça? Oui. Comment connaissiez-vous... Tu n'imagines pas les informations que les gens donnent quand ils sont trop occupés à penser à leurs propres affaires. Et j'ai aussi remarqué que sans toi, personne n'aurait pu traverser. Bien joué, Graham. Merci. Bonjour les gens qui viennent d'arriver. Ils ne le reconnaîtront jamais, tu sais. Comment allez-vous? Privilégie l'esprit au N'hésitez pas à venir papoter avec nous. Du temps. Je vois que tu es comme moi. Même si pour l'instant, je papote créatif, pas beaucoup, j'essaie de suivre l'histoire. Pour gagner, tu devras faire tes preuves lors de tests de force, d'agilité et de vitesse. Et tu auras besoin d'un ami. J'aimerais bien avoir un ami. On m'appelle Manny. Content de te rencontrer. Alors, mon ami, quelle est ta couleur préférée? Tu aimes les haricots goût popcorn? Parce que moi, oui. Quand est-ce qu'on fait une soirée pyjama? On est dans un club secret. Le vert. Je préfère le goût pizza. Je suis disponible le mercredi et le samedi. Et ce serait plutôt une alliance secrète. Alliance? Cette compétition ne sera pas facile. Et Daventry a besoin d'hommes comme nous. Si nous y travaillons ensemble, nous avons une chance. Quel est le plan? Si tu gagnes, glisse un mot pour moi au roi. Et si c'est moi qui gagne, je ferai de même. Bientôt. Oula, mais il est 10h23 là. Ça sent le café là, non? Mais allons à l'arène en attendant. On va faire une petite pause café. Moi, comment je peux aider? Alors, je vais laisser juste une seconde. Tout le monde. Yes, café, je t'accompagne. Sans sucre pour moi. Pareil, Moumout. Bon café à tous. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder par là? Là, on peut grimper. Il y a 23. Ok. Il est aussi doué que moi. Et par ici, c'est fermé. Donc on va grimper. Hop là. Allez, on souffle dedans, hein, que pour que ça nous dise qu'on peut pas. Encore une corne, encore une pièce manquante. Eh ben oui. Ici, rien à récupérer. Je sais pas pourquoi depuis le départ, de toute façon, on récupère pas grand-chose, mais j'y vais quand même. Bon, mon avion peut pas aller là-bas non plus. Que Graham s'avance, s'il vous plaît. Maintenant que nous avons récupéré notre liste, il est de mon devoir de te dire que tu es officiellement inscrit. Oui. En revanche, je suis navré, terriblement navré, toutes mes excuses vraiment, mais nous n'avons plus de sacoche. Aucun problème, je n'ai pas besoin de sac. Maman a fait des tas de poches dans ma cape. Le prochain événement va bientôt commencer. Pas si vite, Pochette.
Le règlement du tournoi dispose que les participants doivent réussir chaque épreuve avant de poursuivre la compétition. Comme tu étais en retard, tu as manqué le test de chevalerie et la parade de bienvenue. D'accord. Ces deux exercices sont censés être des préliminaires amusants. Tu sais, on fait connaissance et ensuite seulement on se tue, on détruit et on joue les fourbes. N'oublie pas l'amendement 70, article 4. J'allais y venir. Merci. Dans un souci d'équité, de nouvelles règles permettent de réorganiser un test de chevalerie si, et seulement si, les circonstances de l'absence sont atténuantes. Je vous pose donc la question, quelles sont les circonstances atténuantes de votre retard? Alors, je ne sais pas ce qu'atténuante veut dire, ma mère ne m'a pas laissé partir avant d'avoir terminé mon petit déjeuner. Ma mère m'avait préparé tout un tas de crêpes au chocolat et elle ne me laisse jamais sortir de table tant que je n'ai pas fini de manger. Je noterai donc chouchou à sa maman. Bien, va te mélanger aux autres concurrents. Apprends-en un peu plus à leur sujet. Mais tu vois, Moumout, on était connectés. Chevalerie, reviens me voir. Tu as pensé tellement fort. Donc, il faut que je passe mon test de chevalerie. Hey, merci d'avoir renversé ce tronc là-bas. Grâce à vous, je me suis fait une charmante petite croisière. Ces chevaliers m'importunaient. Je voulais être seul. Laisse-moi, moucheron. Mieux vaut éviter de réveiller le taureau. Moi non plus, je n'ai pas très envie de continuer cette conversation. Mais j'ai raté le test de chevalerie. Et je dois bon, repasser. La capillarité me cherche pas. Et je vous laisserai tranquille. Dépêche-toi. Et puis va-t'en. Qu'est-ce que vous aviez dans les mains? Ça ne te regarde pas, l'anchois. Oh, allez, c'était quoi? Un casse-croûte? Laisse tomber, l'asperge. Je m'appelle Graham. Stop. Pas de nom. Je ne voulais pas non plus ton prénom. Et vous êtes? Je suis connu sous le nom de Circonférence. Mais j'essaie actuellement de changer d'image. En commençant par mon nom. Appelle-moi Graine. Graine, ok. Oh allez, c'était quoi? Un casse-croûte? Laisse tomber, l'asperge. Sir Charnu, c'est bien ça? C'est Graine. Tu as intérêt à le retenir. Donc c'est Graine, ok. Je vous laisse. Du balai! À mon avis, il doit cacher quelque chose, il va falloir le faire. Le révéler. Bonjour, je m'appelle Graham. Enchanté. Achaka. Achaka. Ok. Donc, d'où est-ce que vous venez? Achaka. Je vois, c'est exotique. Quel genre de flèche vous utilisez? Achaka. Pas mal, pas mal. Mais je préfère les flèches taillées à la main. Vous voulez faire équipe? Montrons à Daventry la puissance d'un duo d'archers. Achaka. Oui, je suis d'accord. Vous me ralentiriez. Bon, il faut que je retourne au test de chevalerie. Bonjour, Graham. On échangeait des astuces sur le tournoi. Et dis-moi si tu veux des informations sur l'un de nos concurrents. Bien. Alors, sur Graine. Que pouvez-vous me dire sur Graine? Mieux vaut ne pas jouer avec ses cornes de taureau dans une épreuve de force. Oh, le gros clin d'œil à Stargate. Ça, mais d'après la rumeur, ce type je l'ai loupé, garde un écureuil apprivoisé dans mot de ses base. Vêtements. Des il faut vraiment être bizarre. Ah, ok. Imagine vois, si tu caches d'autres. On ne peut s'aligner. Tu ne fais que mettre en exergue si mon culture encore. Quant à cette série. Dévoiler ses secrets. Que pouvez-vous me dire sur Graine?
Mieux vaut ne pas jouer avec ces cornes de taureau dans une épreuve de force. Je ne devrais pas te dire ça, mais d'après la rumeur, ce type garde un écureuil apprivoisé dans ses vêtements. Il faut vraiment être bizarre. Imagine ce qu'il cache d'autre. On ne peut s'aligner avec sa force. Si on veut le chasser, il faudra collaborer pour dévoiler ses secrets. D'accord. Donc lui, il a un écureuil. C'est bon. Merci, Manny. Adieu. On va aller voir si ça change quelque chose au dialogue. Quand ils verront ton petit... Que veux-tu ? Je sais ce que vous cachez. Oh que non, maigrichon. Si, il paraît qu'un écureuil de compagnie habite dans votre armure. Quoi ? Qui te l'a dit ? Je parie que c'est muet. Il est si arrogant, c'est insupportable. Et ça, c'est pas un animal de compagnie, c'est mon ami. Il a un nom, votre écureuil ? Si seulement Muet pouvait apprendre à se taire ! C'est une dame. La princesse Madeleine d'Avalon. Vous cachez autre chose ? Ton cadavre, si tu ne me laisses pas tranquille. Je suis sûr qu'il y a autre Attention. Chose là-dedans. Maître Moumout Capello est là. Je n'ai pas très envie de savoir quoi. Éveille au grain. Alors, il a un nom, votre écureuil ? Si seulement Muet pouvait apprendre à se taire ! C'est une dame. La princesse Madeleine d'Avalon. Vous okay, cachez autre chose ? Ton cadavre, si tu ne me laisses pas tranquille. Je suis sûr qu'il y a autre chose là-dedans. Mais je n'ai pas très envie de savoir quoi. Je vous laisse. Tu ferais mieux de partir. Ok, donc lui, c'est Madeleine, l'écureuil. Oui, Graham. Tu veux d'autres ragots ? Je veux. Sur Hatchaka. Que pouvez-vous me dire sur Hatchaka ? J'étudie tous ses gestes. Il a de quoi faire frissonner tous ses adversaires. Oh ! Il est rapide, il est fort, il est sournois avec son arc. J'essaie de le convaincre de rejoindre notre alliance, mais la traduction, c'est un métier. C'est bon. Merci, Manny. Adieu. Alors, est-ce que lui, ça a changé quelque chose, du coup ? Hatchaka. Vous voulez faire équipe ? Montrons à Daventry la puissance d'un duo d'archers. Hatchaka. Oui, je suis d'accord. Vous me ralentiriez. Bon, il faut que je retourne au test de chevalerie. Alors, on va regarder ce que... Ce que raconte Muet. Le monstre d'ivoire se dévoila. Il monte. Bonjour, je suis Graham. Un plaisir, j'en suis sûr. Et votre nom ? Quoi ? Et quel est votre nom ? Quoi ? C'est vrai ? Tu te moques de moi, Greg ? Mais d'où sors-tu ? Tu ne reconnais pas ce visage ? Parfaitement. Attention, combat de source sur le chat. Ce n'est pas Greg, c'est Graham. Et oui, je sais qui vous êtes. Vous êtes... Vous êtes... Le rêve de toutes les filles. Tout à fait. Les filles adorent Muki. Qui aime-t-elle, Gabe ? Ce n'est pas Greg, c'est... Oh, peu importe. Oui, vous êtes... Muet. Correct. Enfin, le nom complet de Muet est Sir Marmaduke Uther Elias Théophile, troisième du nom, ligné des Modesto. Mais un fan comme toi le savait sûrement. Comme ça, au moins, si besoin de rechercher le nom, on l'aura. Je n'ai apparemment aucun portrait sur moi. Eh bien, si tu en trouves, je signerai, gratuitement. Muet adore ses fans. Muet adore la chevalerie. Muet adore combattre le mal. Mais plus que tout, Muet adore Muet. Comme nous tous. Muet tiendrait pas deux secondes contre notre monsieur Kalec. Non, Muet peut le faire. C'est gentil, mais je suis sûr que ces gardes ne risquent pas de nous confondre. Il y a des armures qu'on reconnaît immédiatement.
L'armure de Muet brille parce que Muet aime son propre reflet. Ok. À bientôt, Muet. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre sur Muet, lui ? Oui, Graham. Tu veux d'autres ragots ? Que pouvez-vous me dire de Muet ? Muet ? Il se déplace sans faire un bruit, mais il bavarde tellement qu'il ne passe pas inaperçu. Chez lui, c'était une idole. Il espère rebâtir sa réputation à Daventry. Il paraît qu'il peut se faire remarquer. Ce genre d'arrogance conduit généralement à la chute. Tu ne crois pas ? Que pouvez-vous me dire de coup. Muet ? Muet ? Toujours peur d'oublier quelque chose. Il se déplace sans faire un bruit, mais il bavarde tellement qu'il ne passe pas inaperçu. Chez lui, c'était une idole. Il espère rebâtir sa réputation à Daventry. Il paraît qu'il ferait n'importe quoi pour se faire remarquer. Ce genre d'arrogance conduit généralement à la chute. Vous êtes mes deux snipers préférés, les gars. C'est bon. Merci, Manny. Adieu. Allez, on va passer le test. Prêt pour le test de chevalerie ? Au travail. Question 1. Qui est le seul chevalier participant au tournoi qui parle plusieurs langues ? Je dirais Manny. Manny ? On est amis, en fait. On a une sorte d'alliance. Question suivante. Très bien. Question suivante. Qui est l'apprenti chevalier qui vient d'un pays lointain ? Il serait favori pour gagner la compétition. D'un pays lointain, je dirais Achaka. Achaka ! Ok. Continuons. Le nom complet du concurrent le plus rapide. Sire Marmaduke Uther Elias Théophile, troisième du nom, lignée des Modesto. J'en suis sûr. Je vois. Dernière question. Le compagnon du plus fort des concurrents, qui ou qu'est-ce ? Princesse Madeleine d'Avalon. La princesse Madeleine d'Avalon. Elle avait l'air charmante. D'accord, voyons. Alors, au final, tu as que des bonnes réponses. Yes. Bien joué, Pochette. Ne faisons pas attendre nos amis plus longtemps. Que le spectacle commence. Bonjour à tous. Vous êtes rassemblés ici pour gagner une place de chevalier à la cour du roi Édouard. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, le roi n'a malheureusement pas d'héritier. Le vainqueur pourrait donc être couronné roi de Daventry. Carrément. Nous allons officiellement commencer la phase de compétition du tournoi. J'espère que vous avez eu le temps de devenir amis, car ça va chauffer. L'heure ça va chauffer. De présenter vos billets d'entrée. Ici, j'ai le mien juste ici. Je suis désolé, mais ce n'est pas un billet d'entrée. En fait, d'ici, on dirait un morceau de tissu sale. Peut-être même un chiffon. Chaque apprenti chevalier doit rapporter à la reine un œil de bête hideuse. Et en raison de la proclamation 1748.2, il doit effectivement s'agir d'un œil de bête hideuse. Pas comme l'an dernier. Les yeux des créatures mignonnes, adorables ou choupinettes ne seront pas acceptés. Il n'y a rien à voir. On peut trouver de nombreux yeux hideux à Daventry. Nous vous invitons à profiter de cette chance de prouver vos talents. Nous voulons voir ce qu'il y a dans votre cœur, comment vous pensez et comment vous réagissez face au danger. Tout ça avec un seul œil. Eh oui. Maintenant, partez tous à la recherche de vos yeux. Muet peut le faire.
Allez. Donc il faut trouver un œil de bête hideuse, donc. Attention où tu vas, petit. Oh, merci. C'est pas joli, mais ça fonctionnera pour le moment. Amaya Blackstone, enchantée. Oh, okay. Ah, tout le plaisir est pour moi. Content de voir qu'on répare tous ces ponts. Tous ces ponts? Non, le contrat est terminé. Daventry n'a plus les moyens pour moi. Ils n'ont même pas les moyens pour faire fonctionner les friteurs. C'est moi qui l'ai inventé. Oh, et ça fait quoi un effriteur? Ça soulève, ça débite, ça effrite. Et surtout, ça rapporte des pépettes. Lesquelles sont les bienvenues? Les choses ont été difficiles dernièrement. On dirait bien. Daventry est une expérience intéressante jusqu'à présent. Différente de ce que j'avais lu dans les récits de voyage. Je me demande si c'est bien pour moi. T'en fais pas, petit. C'est pas ta faute. Le royaume va mal depuis que la reine est morte. Mais sans les ponts, personne ne peut accéder à Daventry. Tout est tranquille. J'aime pas ça. Je suis une femme d'action. Les villes tranquilles, ça rapporte rien. Je vois bien. Bon, je dois y aller. Il y a peut-être quelqu'un dans ma boutique. Si tu passes dans le coin, viens me voir. Je suis sur la gauche. Carrément. Coucou, c'est Valérie. N'entrez pas en construction. Attention, abeilles et danger. Mais où as-tu trouvé un œil? Il y avait une bête hideuse à l'intérieur. Ça fait mal! Comment pourrais-je attirer cette bête hideuse à l'extérieur? Ah. Si on avait pu les creuser, ça aurait fait de belles citrouilles décoratives. Il y a trop d'écureuils dans cette citrouille pour mon goût. Ramasser. À l'ouest, l'arène. Au nord, la place. Au sud, en travaux, revenez au printemps. Donc ça, c'est le sud. On va aller voir là-bas. Tellement mignon, le blaireau qui voulait devenir ami avec les écureuils. Ça se trouve, c'est pas ami qui veut lui faire ami. Si on passait par là d'abord. Voilà, il y a des... Qu'est-ce donc ces choses? Personne ne remarquera qu'une cloche manque. Donc j'ai une cloche. Oui, et il se passe quoi, là? Le roi Édouard nous a donné tout ce que nous avons. On a sali son héritage dernièrement, mais ce fut un grand homme. Il m'a permis de faire de Daventry le royaume qu'il est aujourd'hui. Oh là là, mais il y a trop d'endroits, quoi. Ce labyrinthe. Si on avait pu les creuser, ah oui, ça aurait fait de belles citrouilles décoratives. Donc par là, en fait, je fais le tour. Ok. Donc en fait, si j'étais passé par là directement,
Bon, on va faire le tour là-bas. Il y a plein de trucs là sur le... Non, toujours pas. D'accord. Bonjour madame. Ou monsieur, je sais pas trop. Personne ne t'a appris que monsieur, c'était impoli de marcher sur le dos des gens. Donne-moi une bonne raison de ne pas t'avaler sur le champ. Tu ferais mieux de me laisser partir. J'ai tué de nombreux monstres en mon temps. Oh, c'est embêtant pour eux. Je les connais. Trop pour en garder le compte. Tu as entendu parler du Yeti sauvage de Serenia, du vorace dragon cristallin d'Eldritch? Je les ai tués. Moi tout seul. Oh, tu veux dire Bill et Suzanne? On a pris le thé la semaine dernière. Tu es sûr de vouloir me menacer? J'ai pensé à toi, Cog. Il y a une démo prévue pour Nathan Drake Collection. Oui, elle doit sortir là le 29, je crois, il me semble. Non, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Olfi est content que tu aies changé d'avis. Mais une fois encore, donne-moi une raison de ne pas t'avaler. Si tu me laisses partir, je peux te rapporter de la nourriture royale. Je suis un chevalier en formation. Si tu me libères, je ferai en sorte que le roi te récompense. T'es un peu rachitique pour un chevalier. Avec ton long cou et ta plume, t'es sûr que t'es pas une oie? Oui, je suis plutôt sûr de ne pas être une oie. C'est exactement ce qu'une oie dirait. Heureusement pour toi, Olfi aime pas les oies. Olfi digère mal les plumes. Bon, qu'est-ce que tu veux, ma petite oie? Tu ne saurais pas où je peux trouver un œil de bête hideuse, par hasard? C'est déjà le tournoi? Je croyais que c'était mardi. Oh mince, ma mémoire me joue à nouveau des tours. Olfi souffre de manquer de sommeil. Un très méchant monstre grogne dans les buissons derrière mon dos. Le monstre dont tu parles serait-il hideux, par hasard? Le Grognax Grognon est notoirement hideux. Ces misérables gardes de Daventry seraient certainement impressionnés par son œil. On dit que la bête a deux yeux violets, à la pupille bleue et brillante, ses pattes, trois griffes et une dent. Je pourrais te laisser passer et peut-être même t'aider contre ce monstre aux yeux de feu. Mais comme Olfi ne t'a pas mangé, Olfi a faim d'un truc sucré. Apporte-moi à manger et j'envisagerai de t'aider. À quoi servent tous ces instruments bizarres autour des ponts? D'habitude, les cornes convoquent le troll de pont associé pour combler le trou. Mais on a enlevé les embouchures en attendant les instructions de la guilde. Olfi a reçu l'ordre de cacher les cornes aux humains. La mienne, je m'assois dessus. Chut. D'accord. Tu pourrais me dire pourquoi tous les ponts semblent avoir disparu à Daventry? Eh ben, petit toi, jusqu'à nouvel ordre, la guilde des trolls de ponts est en grève. Depuis trop longtemps, nous autres ponts, nous subissons l'outrage des bottes pointues de la garde. Et ils se moquent de savoir qu'à marcher ainsi militairement, ils nous brisent le dos. Comme dit Pilar, honte à Daventry! Nous ne nous remettrons au travail que lorsque le royaume prendra mieux soin de ses ponts. Je devrais déjà être à la réunion, mais j'arrive toujours un peu en retard, pile quand on sert les pains aux raisins. «
Bonne expédition. Dandine-toi vite, petit toi. Olfi a faim. Yo, Paps. Comment ça va, Thibaut? Ah, fiston. Bon, lui, on ira voir, donc faut lui trouver un truc à grailler. Allez, on va aller voir, il y a quelque chose quand même. On va aller voir par ici. Non, en fait, c'est Bibine encore, ça. C'est Bibine qui a pris le compte de Dajo. Je ferais mieux d'aller de ce côté du roc. Il refusait de bouger. Une petite cloche. Voilà, ça sent le piège là, non? Voilà. Quel étrange piège. Pim. Oh, mais c'est un beau morceau de viande, ça, tiens. Attends. Des champi-sucres. Des champi-sucres. C'est cool, ça. Salut, Raptou. Ah, mais c'est bon, il y a tout le monde, là. Ça fait plaisir. L'île flottante, à quelques pas seulement, tellement flottante, vous serez stupéfait. Attends, j'essaierai bien de retourner au départ où il y avait la bête, voir si je peux lui donner le steak, là. Non ? Je sais plus où c'était. Alors, on va essayer. On va essayer de retrouver tout ça. Je vais déjà commencer à trop me perdre. C'était par ici. C'était où? C'était par là? J'arrive là-bas. Hein. Voilà, donc j'étais là. Hello, bande de viewers! Salut, poulet! Alors, si je donne ça, ça marche ou bien? Oh, oh! J'ai un putois dans le sac. Ok. Ok, ok. Allez, je repars par là. On va aller visiter. On n'a pas été tout en face dans le village. J'entrerai en ville avec ma dernière pièce. Quoi que je décide pour trouver mon œil, il faudrait que ça ne coûte pas cher. Alors, je suis censé faire quoi? Je suis toujours à la recherche de mon monstre idole. Salut Graham, si vous aimez les objets pointus, vous êtes au bon endroit. On a plus de 23... Pardon, j'ai eu une nuit difficile. On est dans une grande gaming house. Mon lit avait disparu. Carrément. Vous y croyez?
Et quel genre de timbré vous vole votre lit pendant que vous dormez? Et le plus bizarre, c'est que tout le reste est là. D'ordinaire, je traquerais quelqu'un comme lui pour lui faire sa fête. Mais c'est différent aujourd'hui. J'ai vendu un bouclier pendant la parade. Et l'argent me met toujours de très très bonne humeur. Mais vas-y, jette un coup d'œil. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Pas touche à l'effriteur. Sauf si t'as 50 pièces d'or pour un bon de commande. Waouh, 50 pièces d'or. Sinon, t'aimes bien? Ouais, carrément, j'adore. Ce serait bien de faire revenir. Tu peux poster un bon de commande si tu veux soulever, découper ou effriter un truc. J'amènerai Mamselle Effriteur. Et ce personnage, il s'appelle Amaya, c'est excellent. J'ai fait un cappuccino qui en veut un. Prums. Sans sucre. Là, ça, on a déjà vu ce qu'il y avait là. Qu'est-ce qu'il raconte? Bonjour, monsieur le boulanger. Bonjour.